Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Bears Pro Mass TV, la chaîne du Japa du Perret. Oui, on est là pour répondre à toutes vos doutes. Regardez la famille, nous sommes les soi-disant blogueurs, hein? Nous on vous apporte les infos et vous analysez comme vous voulez. Nous on vous donne nos propres analyses, vous pouvez ne pas être d'accord, mais vous donnez vos avis en commentaire, mais on est des êtres humains, chacun analyse à sa manière. Je suis tombé sur la vidéo d'un live, s'il vous plaît. Les mêmes sorcières, vous savez, ceux qui se réunissent souvent là, pour mal parler d'Arcel là. Oui, pour mal parler d'Arcel, oui. Et j'ai compris que la plupart de ceux-là, de ces femmes-là, ce sont des Camerounaises. Je ne sais pas pourquoi. La plupart sont des Camerounaises. Ou bien c'est parce que c'est la même clique qui se réunit souvent dans le live de Dexter. Vous savez que Dexter, c'est un Camerounais, donc c'est normal qu'il va d'abord réunir plus les Camerounais. C'est pas comme moi sur ma chaîne que bon, ma chaîne est d'abord ma chaîne. C'est les Ivoiriens qui prédominent après la France. Oui. Et je suis sûr que ceux qui voient ma chaîne dès la France sont la majoritairement toujours les Ivoiriens. Vous comprenez un peu. Vous comprenez donc pourquoi le contenu ivoirien prédomine sur la chaîne. Regardez ceci. Des Camerounaises. Je ne sais pas. Parce que là, ce n'est plus la frustration, c'est la désolation. Je ne comprends pas pourquoi elles font des lives, elles rient, elles s'amusent à insulter les gens, à mal parler des gens. Elles s'y plaisent dans ça, tellement elles s'y plaisent dans ça que pour eux, elles ne trouvent même plus quelque chose d'anormal à ça. Je ne comprends pas. Ce n'est pas, non, ce n'est pas la Kimi, elles ne supportent pas Kimi, hein, non. Ils détestent juste Arcel. C'est comme ça. Maintenant, c'est que Arcel est dans l'autre rive. Dans l'autre rive. Vous dire quoi? Carcel Nchele. Vous comprenez le mot Nchele, non? Donc, Carcel, de partir avec les femmes, lui, il aime les hommes. Quelque chose comme ça. C'est ce que nous, on appelle Nchele, Cameroun. Je vous l'ai, je ne sais pas comment vous appelez ça. Bon, quand c'est au cas des femmes, on dit les lélés, vous savez. Mais pour les hommes, nous, on dit Nchele. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, écoutez la vidéo. Vous n'avez pas dit que moi j'invente. She said she want me back. I never paid a promise to be faithful to the day she got me called. Vous là, vous êtes mauvaise. Cadeau. Mimi, je sais qu'elle a dit quelque chose qui n'est pas. Elle n'est pas là-bas encore. Elle est dans une autre boîte. J'étais sur sa passe. Cadeau. Mais ça, avec Bodhi à la main. Avec Bodhi à la main. Il a une femme, on comprend rien. Tantôt, on dit aussi qu'il est de l'autre côté de la rive. C'est collègue d'Annabelle. Non, je ne crois pas ça. Ah, attends, c'est peut-être ton problème. On te dit que. C'est une amie à lui, ce n'est pas sa go. Oh, on vous dit que. Arrête. On vous dit qu'il est sur le côté. Sur le côté. Sur le côté. Ah. En tout cas. Il parle trois langues, le français, l'anglais. Et l'espagnol. Le fond, tout ça. Il parle tout ça. En tout cas. Vous avez écouté, non, la vidéo?
à celle de l'autre côté de la rive. Oh, il parle anglais, pas plus un pour dire à celle du côté de Annabelle. Vous connaissez Annabelle la mexicaine? C'est une un Camerounais qui se dit il est transgenre ou je ne sais pas travesti. Moi, je ne sais pas exactement comment il se définit quoi. Mais c'est un homme. Bon, qui s'habille comme une femme et il est, vous comprenez un peu, tchèlè, complet, tchèlè, oui. C'est même pas le genre double sim qu'il part avec les femmes, il part avec les hommes. Parce que les gens sont double sim. Ils partent avec les femmes, ils partent avec les hommes. Donc, ils sont là en train de tirer Axel de tchèlè. Pourtant, ils sont là tout le temps dans le life de l'autre, de Dexter. Et que Dexter, nous tous on sait, nous au Cameroun, on sait qu'il est double sim. Donc il avait femme et homme. C'est un double sim. Oui, confirmé. Il n'y a même pas de doute dans ça. Oui. Toutes les filles qui sont sorties avec lui peuvent te le confirmer. Elles peuvent venir te témoigner que cela est double sim. Mais je ne sais pas pourquoi. Mais Axel, on n'a pas encore de preuves de ça. Pourquoi les rumeurs là? Vous comprenez un peu? Donc, toute rumeur est bien pour salir quelqu'un. C'était que non. Parce que maintenant, c'est que tout n'existait pas. Avant, c'était que non. C'est là en couple. Oh, oh. Vous voyez donc que maintenant, la théorie ici, que Axel, c'est contradictoire. Le robot est en train de dire de l'autre côté que Axel est manipulateur parce que, et papa Mera parce que. Il sortait avec Kimi, pourtant, il est en couple avec une femme. Et maintenant, ceci vient dire qu'il est un tchèlè, que tout, ce n'est qu'une amie. Finalement, vous ne voyez pas qu'il y a contradiction là. Alors, c'est en couple ou pas? Donc, il n'est pas en couple. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas eu manipulation. Ou bien, il est en couple et il y a manipulation. Finalement, vous comprenez un peu. Les gens ne savent pas quoi dire. Il y a un mystère pour casser dans tout ça. Tout le monde vient inventer sa part de théorie. Vous comprenez? Et c'est toujours les théories malsaines. Moi, je préfère avoir ma théorie, de la bonne théorie qui suit le bon chemin. Que oui, ils ont eu quelque chose. Ça a mal tourné. Bon, maintenant, ils sont en train de reconstruire ça. Vous comprenez un peu? Voilà. Que de la théorie que non. Tantôt, il est un tchèlè. Il n'y a rien eu avec tout. Donc maintenant, vous êtes d'accord qu'il n'y a rien eu avec tout. Hein? Et maintenant, c'est qu'il est un tchèlè. Et bon, le cas de Kimi, alors, bon, vous le détestez donc, alors pourquoi? Parce que l'affaire de NC est venue parce que vous dites qu'il a manipulé Kimi et tout. Pourtant, il était en couple, machin, truc. Donc, ce couple, alors, c'est quoi? Il est en couple avec un homme. Venez nous dire aussi. Venez nous éclaircir. Non, la famille, je ne sais pas si vous comprenez ce qui, la trame qui est derrière ça, le petit piège qui est derrière ça. Il est en couple. Vous dites, non, il n'est pas tout parce qu'il est un tchèlè. Maintenant, alors, c'est que quoi? Il est en couple alors, avec un homme. Venez nous dire. Venez nous éclaircir. Hein? Vraiment. Aïe, l'histoire, c'est terrible. Ça aura de fin un jour. Les gens s'y font même bien de laisser le suspense. Ça continue à faire le buzz, ça buzz. Les gens inventent les théories par-ci, par-là. Oui, ça alimente le buzz. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais, la marmaille. C'est chaud. La famille. Ha! Maintenant, c'est que Axel et Tchèlè. Oui, mamie, pi. C'est chaud. Des vieilles, vraiment, en tout cas, je ne veux même pas commencer à insulter les gens, hein, la famille, on se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mais vous-même, vous allez tirer vos propres conclusions et faire vos analyses, moi, je vous apporte le matériel, hein, vous allez maintenant tirer vos conclusions, on se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous et hasta pronto.